Si jamais vous voulez une vidéo récapitulant toutes les rumeurs que nous avions sur Legion, n'hésitez pas à le demander juste en dessous de la vidéo et vous verrez comme par magie, dans les jours qui arrivent, la vidéo arrivera. Il semblerait que suite à la dernière vidéo sortie sur la chaîne, d'ailleurs si tu l'as pas vu je t'invite à cliquer juste là et à revenir juste après, vous soyez nombreux à vouloir une vidéo récapitulant toutes les rumeurs que nous avions eues sur un certain Assassin's Creed Legion. Mais où sont les bonnes manières? Salut les gens, c'est The First Day et aujourd'hui on va parler des rumeurs sur Assassin's Creed Legion. Et je le rappelle encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, donc c'est à prendre avec des pincettes. Après que l'on nous ait parlé d'un certain Assassin's Creed Adder dans lequel nous incarnerions Aya et dans lequel nous reverrions Bayek, de nouvelles rumeurs ont vu de vie le jour sur un certain Assassin's Creed Legion. Petite piqûre de rappel, Legion ne serait pas le nom définitif du projet mais le nom donné en interne. Ne vous en faites pas, s'il ne vous plaît pas, il risque de changer, comme ce fut le cas avec Assassin's Creed Victory qui donnait Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Comet qui donnait Assassin's Creed Rogue, ou encore Assassin's Creed Empire qui donnait Assassin's Creed Origins. Enfin bon, trêve de blabla, on passe à ce qui vous intéresse tout de suite. Tout commence le 24 février 2019 avec le tweet de Jason Schreier. Oui, encore une fois, c'est lui. Ce tweet est donc remis en avant, puisque de base il concernait un certain Watch Dogs Legion, mais dans les commentaires de ce tweet, il apparaît de nouvelles informations quant à un certain Assassin's Creed Legion. Bon, comme d'habitude avec les rumeurs du prochain Assassin's Creed, le jeu sortirait en 2020 et serait cross-gen, donc sortirait sur PS4, Xbox One et Xbox Series X PS5. Il est dit que le jeu prendrait la route de l'Italie et se déroulerait durant la fin du règne de Marc Aurèle. Après avoir googlisé ça, on se rend compte du coup que le jeu se déroulerait après 180 après l'ère commune, et se déroulerait sur plusieurs années avec l'arrivée de son fils Armor au pouvoir. Armor. Autant pour moi, avec l'arrivée de son fils Commode au pouvoir. Et allant jusqu'à la deuxième année des 4 empereurs. Sur une plage historique, ça fait aller d'à peu près 180 à 192 après l'ère commune. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ère commune, c'est tout simplement ce qui se passe après Jésus-Christ. On n'utilise plus le terme après Jésus-Christ pour les non-croyants, c'est après l'ère commune. Dans le jeu, nous incarnerions au choix Lucia ou Cassius. Encore une fois, des descendants des personnages d'Assassin's Creed Odyssey et Origins, ce qui ferait lien entre tous ces épisodes de la trilogie antique. Ceux qui ont fait le DLC d'Assassin's Creed Odyssey, l'héritage de la première lame, vous voyez où je veux en venir. Pour les autres, j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Et peu importe le personnage que vous décideriez d'incarner, l'histoire sera la même, exactement comme ce qui avait été fait avec Assassin's Creed Odyssey lorsque vous choisissez entre Alexios et Cassandra. Le jeu aurait encore une fois, comme avec Assassin's Creed Odyssey, au cœur de son scénario la première civilisation, mais mettrait plus en avant le conflit que nous avions eu entre assassins et politiciens. Il ne faut pas oublier que les Templiers n'existaient pas à cette époque, pareil que les assassins, donc dans ce jeu nous aurions des proto-Templiers et les Hidden Ones, donc ceux qui ont été créés par Bayek. D'après la source, le jeu mettrait aussi en scène des flashbacks qui se concentreraient sur Rome et son histoire. Comme je l'ai dit dans la vidéo de mercredi, les rumeurs s'accordent à dire que le jeu se déroulerait en Italie, mais pas que, puisque les rumeurs s'accordent à dire que le jeu nous permettrait d'évoluer en Italie, ainsi qu'en Gaule et une partie de la Germanie. Dans tous les cas, qu'on a Assassin's Creed Ragnarok ou Assassin's Creed Legion, l'open world promet d'être immense. Le jeu, comme dit dans la vidéo précédente, serait développé par Ubisoft Sofia. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui ont développé Assassin's Creed Rogue, mais pas que, puisqu'ils ont également travaillé sur Assassin's Creed 4 Black Flag, donc ça, ça fait plaisir. Par contre, attention les oreilles, ils ont également travaillé sur Assassin's Creed Liberation. Donc, mis à part ce dernier, personnellement, moi, ça me met plutôt en confiance, puisqu'ils ont sorti deux opus très très appréciés. Le jeu reprendrait la plupart des mécaniques d'Assassin's Creed Odyssey, telles que le choix des dialogues, donc ça, c'est pas étonnant, puisqu'Ubisoft avait communiqué à sujet en disant qu'il n'était pas prêt de mettre de côté, tout comme le côté RPG qui sera de nouveau présent dans le prochain opus. Le but d'Ubisoft avec cet Assassin's Creed Legion serait de, je cite, rabibocher les fans de la première heure ainsi que les nouveaux débarqués avec Odyssey. Ils auraient donc essayé avec Legion de se rapprocher le plus possible de ce qui avait été fait au tout début de la licence, tout en ne laissant pas de côté ce qui a été fait avec Odyssey qui a apporté de nouveaux joueurs. Et enfin, la source termine en disant qu'une refonte complète du système de mercenaires et du culte serait exécutée, ce qui est vachement bien parce que moi personnellement, le système de culte et de mercenaires, c'est un truc qui m'avait plu les deux premières heures dans Odyssée, et après j'ai trouvé ça éclaté au sol. Et bien entendu, ce jeu clôturerait la trilogie antique. Jason Schreier s'est dit sceptique quant à ces informations, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui avait abordé pour la première fois un Assassin's Creed se déroulant à Rome, puis il a retourné sa chemise et nous a annoncé un Assassin's Creed se déroulant à l'ère des Vikings. Donc deux options, soit encore une fois les deux projets sont en développement, ou alors Jason Schreier a reçu un coup de pression de la part d'Ubisoft étant donné qu'il a leaké pas mal de leurs jeux. Ce qui est sûr, comme je dis à chacune de mes vidéos, c'est que tant qu'Ubisoft ne communique pas au sujet du prochain Assassin's Creed, rien n'est sûr, tout est permis. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu dans pas mal de commentaires, il y a pas mal de personnes qui se sont amusées à dire avec Assassin's Creed, de toute façon, rien n'est vrai, tout est permis, et ça s'applique aux époques aussi.
J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si ça vous a plu, comme d'habitude, bah dites-le-nous dans les commentaires, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 9000, donc aidez-nous à atteindre ce palier. N'hésitez pas à nous donner des idées de vidéos dans les commentaires. On les lit tous et on y répond presque tout le temps. C'était The First Day en direct de la AC Experience. Paix et sérénité.